Eh bien, bonsoir, bonsoir, bonsoir. En ce mercredi soir, 13e session d'Assassin's Creed Valhalla. On continue notre exploration. Et j'ai pas mis l'arrêt des notifications comme d'habitude. Ce serait pas drôle sinon. Alors. Tac. Tac. Et tac. Et donc on part directement sur le jeu. J'en étais où? Parce que j'ai complètement, comme d'habitude, oublié. Je suis dans une zone plutôt facile pour moi. Et je faisais le tour et j'en profitais pour affaiblir en tuant plusieurs personnes et ravitaillement. J'imagine qu'ici j'ai pas pu récupérer à cause d'un script qui m'empêchait de le faire. Bah du coup je vais continuer cette partie-là et faire cette attaque. Je n'ai pas de port à proximité. Pas vérifier si le son marchait bien d'ailleurs. Micro, son, jeu. Ok, nickel. Bah je peux voir le choix. Partir d'ici. Commencer par une petite attaque pour récupérer des marchandises. Contenu bonus débloqué. Ah, c'est vrai qu'il y a une mise à jour de 14 Go, donc j'imagine quoi. Allez, en route. Il y a un peu de contenu dedans. Alors, je crois que c'était surtout des corrections de bugs. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Okay. Hissez la voile, sigle. C'est vrai qu'il change jamais. Est-ce qu'il peut chanter hein? Allez, une chanson. Ah. Il y a toujours le chat. Ouais, je suis en dessous de moi là. Il est même en boule, j'ai l'impression. Ah non, il se met debout. Ok, on bouge. Regarde où tu vas. Voile ici ! À vos rats ! Hein ? Okay. On peut pas encore naviguer à la voile. Je suis sur Y pour rejoindre notre équipe. C'est la voile ! Non, je veux pas piller. Je sais pas si c'est la rejoindre, mais je pense pas. Il chante pas? En espérant que la musique se fasse pas striker. Ah, 400 mètres ici? Ah bah, je vais déjà arriver. Attends, c'est celui-là ou c'est... Oh, c'est celui-là. Ok. Comité d'accueil, lui dit. Tête. Que je tire passé où? Ouais. Un petit angle. En bas, tombé. Ok, je me fais attirer par derrière.
Oui, au cac. Alors, mes compétences. Celle-ci, celle-ci. On est fini de toi. Passez pas devant moi. Et donc du coup, où est-ce que je dois récupérer? Là, à là-bas, il y a une clé en dessous. Je suis aveugle ou j'ai pas vu la porte? Aïe. Il n'y avait effectivement pas de porte. Du coup, visiblement c'est pas ce que je cherchais, c'est un peu plus. Oui, la porte est en bas. Ah, il y a un mini boss ici. Comme sur mes alliés moi maintenant. J'imagine que... Ah non, c'est pas la clé encore. Hé, hey, par ici. Oh. On vous laisse ouvrir les portes tranquillement quand même. On les ouvre pas facile. Hé, hey, quelqu'un peut m'aider? Bah le même. C'est verrouillé ? On serait sans accès par le toit. Ou vous travaillez peut-être. Et entre. Ah, la porte est en dehors, tiens. Moi, je peux le one-shot. Ok, bon, c'est... faut juste que je vise directement. Je vais te crever ! Voilà pour le porte-étendard. Visiblement, il faut une clé. Bon, moi, je n'ai pas la clé, hein. Je peux au moins ouvrir les portes. J'ai un point. Ouais. Ouais, parfait. Personne peut rentrer. Alors, est-ce que quelqu'un va se TP? Non, c'est bien fait, personne ne s'est télé. Bon.
Ouverture de porte. Celle-ci. Ouverte. Voilà. Quelqu'un qui me rejoint. Voilà un joli trésor, Eivor. Il me faut de l'aide. Ok. Ah. Enfin, je trouve un moyen de récupérer cette clé. Qui me permettrait de descendre. Est-ce qu'il y a un point de... Non. Pas un point qui m'indique une descente. Bon. Je continue à faire le tour, je dois tomber sur un endroit qui me permet de descendre. Merci, il y a un à 14 mètres, donc celui-ci. Je vais vous forcer, c'est ça. J'ai besoin d'aide ici. T'as pris quelques flèches sur ton bouclier, toi. Voilà un joli trésor, Eivor. Ok, et le dernier est tranquille. Allez, j'ai besoin d'un coup de main. Sauf que bah... Il y a quand même une partie bloquée. Message trouvé. Non plus. Ah ! J'ai trouvé quelqu'un. Ok. Non, c'est vrai qu'on peut pas foutre la souris. Il est dans quelle zone celui-là ? Dans la zone où je suis. Eh ben faudra que je m'occupe de son cas. Ok, donc il y a quand même un peu partout de... des indices, de toute façon j'en ai loupé. Merci, Eivor. Passe pour aller au sous-sol. Pas de piche. Il y a quand même des petits trésors ici. Je vais prendre du pain à Pélos. Oh. J'ai pas eu le temps de réagir, celui-là. C'est bizarre. Ça me sert à rien, en fait. Je suis suivi. Ok, je peux pas le reculer. Il y a un autre accès qui permettrait de... Pourquoi je voulais tirer tout le coup. Deuxième meilleur. Non, tu peux monter sur le petit poteau. Non, c'est pas ça.
petit accès, une grotte souterraine, tout genre. Généralement, quand c'est bien caché, pour le coup, c'est les moins, c'est indiqué sur la carte. Donc ça va être sympa à descendre si c'est pas mon truc. Dans un temps, c'est tellement improbable. Parce que dans le bâtiment, il y a un maximum de cryptes, peut-être. Rien de tel, visiblement. Et. On équipe sans lui, visiblement. Aussi. Est-ce que je saurais passer devant la solution? Bien deux fois. En dessous, mais... Par où? Petit bâtiment, tu peux faire aussi d'entrée de crypte. C'est ce bâtiment. Ah, il y a un puits là. Ouais, mais il n'est pas accessible sur. Non, non, non. Dans une maison avoisinante quand même. Et puis il n'y a pas d'accès non plus. Non, je peux rien en faire. De faire un sac un peu plus grand pour voir si on accède un peu plus vers l'extérieur. Ah, c'était où dans le... Ah, ça m'embête ça.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends. C'est un ripop? Je suis déjà rentré ici. Ok, le jeu s'est dit, bon bah tiens, on fait repop un mob et puis les casques qui sont dessus. Une vengeance. Je vais m'indiquer. La position d'un certain personnage qui nous permettrait de récupérer cette foutue clé. Et 10 minutes plus tard, on y est encore. Les bâtiments à côté. Tous ceux qui sont verts. Je suis en carré. Ils sont là. Ils sont les autres ici. Est-ce que j'ai fait celui-là? Oui, j'ai fait celui-là. Allez, petite recherche d'astuces, c'est comment ça s'appelle cet endroit? Monastère de Saint Alban. Hop. Alors, monastère de Saint Alban. En premier résultat, Assassin's Creed. Oh, c'est original. Première vidéo. Comment retrouver la clé? Ah, c'est une vidéo qui dure 3 heures. Qui a pas beaucoup de rapport avec... Ah, il a déjà la clé. Ok, explication s'il vous plaît. Il a déjà les clés dès le début, hein, donc... Serait-ce aussi une quête? Ça se trouve, c'est une quête aussi. Bon, je vais pas m'enflammer. Je me fais souvent bloquer par ce genre de choses. Et on va continuer une quête. Je reviendrai, de toute façon, je récupère tous les trésors. Devoir redémarrer le jeu d'ailleurs. J'ai pas aimé la blague. Ouais, 27 images, c'est ça. Et une rage de Saint-Alban. Ah, bah en plus, le nom de la quête, accessoirement, c'est le nom de la zone où je suis. Voilà, voilà. Bon. Je vais sortir pour sauvegarder. Et redémarrer le jeu. On peut récupérer une trentaine de FPS. Un petit oubli.
Ah, et je suis considéré comme encore en stade de pillage. C'est quand je vais entendre le... la corne. Voilà. Allez, sauvegarde. Et on débarque. De la perte de FPS. Hop, continue. 36 heures, 21 minutes et 22 secondes de jeu. Bonus débloqué. Tu veux me dire j'ai ça ou... J'imagine que oui. Un mouton. Il a mis des moutons aussi. Afficher la quête à proximité. Une autre. Faire en top. Trouver Sigur, bah j'imagine qu'il est le côté de la route. C'est sûrement. Ouais, c'est vrai que ça marche pas très bien les chevaux. Enfin, en tout cas, qu'il y a quelqu'un sur le bord d'eau. Je sais même pas si ça sonne. Je peux voir la position du port. Bonjour. Et voilà Eivor. Ah, tu tombes à point nommé. Fulke n'est pas loin d'ici. Elle est retenue au monastère de Saint-Alban. Au-delà de cette courbe. Notre heure est venue, Eivor. Ceci va tout changer. Je me réjouirais peut-être si je savais qui est cette femme et pourquoi nous avons besoin d'elle. Je me suis assez expliqué. Pour l'instant, place à l'action. Tu n'as rien dit du tout. Tu veux seulement que je te suive aveuglément. Je veux lui parler, moi, ton Jarl. Cette raison devrait te suffire. Pourquoi? Pour qu'elle jette un sort et transforme Edwin en crapaud? Fulke n'est pas la seule chose que nous trouverons ici, Eivor. Il y a aussi le trésor de Saint-Alban, d'une valeur considérable. J'ai déjà pillé l'abbaye de Saint-Alban et emporté ses trésors de la crypte à la nef. Je n'y ai vu aucun prisonnier de valeur. Elle est là. Je le sais. Ok, c'est pris en compte par le script. Elle est le plus précieux de tous les trésors. Eivor, il fut une époque où tu me suivais sans poser de questions. Parce que nous nous faisions confiance. Tu savais alors que je ne t'entraînerais jamais dans une folie. Et que je n'engagerais pas nos vies sans avoir mesuré les risques. Est-ce que quelque chose t'empêche de m'accorder encore un tel crédit? En tant que frère, en tant que parent. Sigurd, tu sais que je ne trahirai jamais ta... T'as confiance en moi. Je combattrai à tes côtés. Mais cette quête ne peut durer éternellement. Gedrich compte sur nous. Naturellement. Et nous l'aiderons bientôt. Viens. Quand tu as attaqué Saint-Alban, tu es sûr de n'avoir rien vu? Ni crypte, ni prisonnier? Non, je ne me rappelle rien de tout cela. Ok, donc c'était bien scripté. Comme d'habitude, je me suis bloqué par les scripts. Qu'est-on de cette femme? Peu de choses. Elle semble être une sorte d'aventurière. Et Thane l'a qualifiée d'hérétique. Tant mieux pour nous. C'est manifestement quelqu'un qui connaît son propre esprit. J'envie ton optimisme, mon frère. Il y a des cheveux qui pop, qui... Il disait que ça pouvait pas le laisser tout seul au loin. Ou il aurait TP, suivant. Ce qui est certes pas très réaliste. Mais bon, des chevaux qui pop, c'est pas mal non plus.
coup. Oh, ça repop, évidemment. Il doit y avoir une crypte. Centrale. Oh, là, une personne possédant une clé vient de pop dans le monastère. Oh là là. Et voilà le monastère, Saint-Alban. Moi, les portes sont ouvertes. Bonjour. Par ici. Enfin. Comme ça, je te remercie, Jésus bien-aimé, de la sagesse permettant de percer. Qui ose pénétrer dans ce sanctuaire? Ton sanctuaire pue la pisse et les larmes de sel. Comment oses-tu? Nous sommes venus chercher la femme, Fulke. Inutile qu'elle vous embarrasse plus longtemps. La folle hérétique? Ah, l'esprit de l'autogène a envoyé un ange me délivrer. Ouvre la porte. Ces hérésies doivent être punies. Pas par des Danois ou des Mahométans, mais par de vrais chrétiens. Chrétiens, nos mains sont rouges du sang de tes gardiens. Ton Dieu est-il si assoiffé de martyrs que tu veuilles mourir aussi? Tu soulèves un point de valeur. Puisse la prière me guider. Le Seigneur m'invite à accueillir tous les étrangers. Tiens, ami, prends la clé et emmenez votre curieuse camarade. Hey, vous êtes qui quoi? Voyons, Seigneur du Trésor de Lumière, pour cette occasion de délivrance. Êtes-vous envoyé par les anges de sa classe ou par le démiurge autogène supérieur? Je ne saurais répondre. Es-tu la femme appelée Fulke? Je suis Fulke dans ce monde. Et je cherche humblement la vraie nature de l'autogène. Et tu collectes les artefacts? Les instruments des enfants de Sakla le Fou, oui. Je possède de nombreuses curiosités de ce genre. Détiens-tu une pierre polie, marquée de symboles inhabituels? Je te trouve bien étrange. Un capuchon, une tenue cachant une peau foncée, cette lame démoniaque. Pourquoi est-ce qu'on traîne ici? Des soldats vont venir. Derrière le monastère, il y a des écuries où nous pourrons parler en paix. Nous te suivons. Venez. Les gardes, ils peuvent venir aussi. Hein. Ça qui... Regarde où tu vas. Depuis combien de temps te retient-on? Plusieurs semaines. Peut-être un mois. Pour tes prétendues hérésies. Des hérésies, oui. J'ai eu la chance de découvrir de nombreux objets profanes au cours de ma vie. Des objets qui attestent des œuvres du démiurge, le faux dieu vénéré par ces imbéciles en robe. J'ai trouvé de telles reliques en Germanie et en Francie, mais également ici, en Angleterre. Dame Edwin les dit blasphématoires, mais elle a l'esprit embrumé. En vérité, ces objets ont une valeur immense. Et peut-on les voir ? Si vous désirez connaître la vérité de vos origines, je vous les montrerai dès aujourd'hui. J'aimerais beaucoup, oui. Je te suivrai où tu iras. J'en ai assez de ces mystères, Sigurd. Fulke est la gardienne d'objets de grande valeur. L'un d'eux pourrait me révéler ma vraie nature. Ta vraie nature? Mais tu as parlé de victoire, de triompher d'Edwin. Savoir que je descends d'anciens dieux est une victoire. Cela me donnerait autorité sur ces terres. Des origines divines? Par l'œil d'Odin, mais qu'est-ce que tu racontes? Fulke, nous avons appris que tu possédais une pierre profane avec d'étranges inscriptions et l'image d'un arbre. En effet, je lui ai donné le nom de Pierre de Saga, car elle est arrivée ici avec le Danois Ragnar Lodbrok. La détiens-tu? C'est le soleil et la lune de tous mes objets sacrés. As-tu l'intention d'acheter et d'échanger cette pierre contre une alliance,
ou plus de guerriers? Servira-t-elle à autre chose qu'à flatter ton orgueil? Eh bien, peut-être devrais-je vous laisser régler vos différends tous les trois? Nous sommes unis. Nous souhaitons seulement voir la pierre et lire les runes qui y sont inscrites. Personne n'est capable de lire ces runes. Elles relèvent d'une langue inconnue et probablement morte depuis longtemps. En ce cas, il n'y a aucun risque à nous les montrer. Aucun, non. Sois loué, ô autogène, pour avoir envoyé ces trois-là me délivrer de mon châtiment. Aucun dieu murmurant ne m'a conduit ici, Fulke. Je suis venu seul. Tu es venu parce que je te l'ai demandé, Eivor. Ils ont parlé à travers moi. Tes paroles me donnent le vertige, Sigurd. Et vous me fascinez un peu davantage à chaque instant qui passe. J'ai confié la garde de la pierre de Saga à mon acolyte. Êtes-vous prêt à aller la voir? Oui. Plus tôt on verra ce caillou, mieux ce sera. Allons-y. Aborde cette pierre l'esprit ouvert, Eivor. Tu risques de la trouver plus intéressante que tu ne l'imagines. Que terminer. Pèlerinage à Saint-Alban.